أنت لو تنظر في حال الناس اليوم من يعمل في الدنيا ويمشي، تجد أن الحكم يكون على نهاية المطاف، آخر شيء. Quand tu regardes quelqu'un, tu comprends que le jugement qui compte vraiment, c'est à la fin du chemin. يعني أصدقاء بن عثيمين رحمه الله اللي كانوا معه. Par exemple, les amis de Ibn Uthaymin qui étaient avec lui. اشتغلوا وحصلوا أموال وحصلوا كل شيء. Ils ont travaillé, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont tout eu. لكن mais النتيجة، آخر نتيجة. Quel était le résultat final? ماذا كانت؟ Qu'est-ce que c'était? كذلك الذين كانوا مثلا مع الإمام أبو حنيفة، مع الإمام أحمد، هؤلاء في الصغر يعني. Pareil, ceux qui étaient avec Abu Hanifa, l'imam Ahmed, quand ils étaient petits. ماذا حصل؟ Qu'est-ce qui s'est passé? كان لهؤلاء الثناء حتى إلى يومنا هذا، ونحن نثني عليهم وندعو لهم ونترحم ونستفيد من علمهم، أجور لا تنقطع. Pour Abu Hanifa et Ahmed, c'est des gens que jusqu'à aujourd'hui, on cite leurs bienfaits, leurs mérites, on les complimente et on demande à Allah de leur faire miséricorde et on profite de leur science et de leurs écrits. Ça, c'est pour celui qui a. Alors que celui qui œuvre pour ce bas monde, sa mention a disparu. Quant à celui qui innove, et qui veut changer la religion de l'islam, cette personne-là sera critiquée et insultée et maudite jusqu'à la fin des temps. C'est toi qui choisis pour toi-même. Inna shani'aka ya'ni mubghidhak, muntaqisak, dhammak ya nabi alayhi salatu wassalam. C'est toi qui choisis. Regarde le verset où Allah dit Inna shani'aka huwa al-abtar. Shani, c'est celui qui déteste, celui qui cherche les défauts, celui qui veut critiquer. La khayra fihi wa la dhikra lah. Abtar. Il sera abtar, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun bien possible en lui et plus personne ne le mentionnera. Abu Jahl, Abu Lahab, Pharaon, yul'an ila yawm al-qiyam. Abu Jahl, Abu Lahab, Pharaon, ils sont maudits jusqu'au jour de la résurrection. Muhibb an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors que celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuthna alayhi ila yawm al-qiyam. On dit du bien de lui jusqu'au jour de la résurrection. Anta ikhtar li nafsik. C'est toi qui choisis pour toi-même.